Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Donc ça va être un tuto Halloween sur enfants. C'est la première fois que je fais ça. Donc c'est parti. Donc je vais venir prendre de la peinture exprès pour visage. Vous en trouvez un peu partout. Moi je l'ai trouvé à l'As de Trèfle pour pas très cher. Et je vais prendre la couleur blanche avec un gros pinceau. Vous pouvez prendre même ça avec une petite éponge mousse. Et je vais venir appliquer sur tout le visage. Oui, et ne faites pas comme moi, essayez de dégager les cheveux de votre enfant avant, parce que moi, je l'ai fait après. Je vais venir avec une couleur orangée marronnée que vous pouvez prendre dans vos palettes de maquillage ou dans un kit de peinture exprès pour visage. Et je vais venir en fait accentuer toutes mes zones d'ombre. Toujours avec la même couleur, je vais venir faire un genre de contouring assez marqué vu que les zombies sont assez maigres du visage et bien sûr toujours essayer de bien estomper la matière. Et là, je vais continuer à faire mes ombres sur le front, le nez et le coin de la bouche.
Toujours avec le même fard, je vais essayer de venir redessiner le cou pour qu'il soit assez marqué. Et j'ai oublié de vous dire, essayez d'estamper un maximum la matière. Ensuite, avec un anti-cire très très clair, je vais venir le poser sur les lèvres. Ça va venir les faire entre guillemets disparaître et ça va donner un rendu assez malade en fait. Le centre des lèvres, je vais reprendre mon pinceau avec la même couleur et je vais venir appliquer un peu de cette matière juste au centre des lèvres. Ça va faire un effet comme s'il avait en fait le centre des lèvres un peu pourri entre guillemets. Je suis désolée les filles, la vidéo s'est coupée lors de l'enregistrement. En fait, ce que vous avez raté, c'est qu'en fait j'ai mis de la colle tout le long de la joue et je suis venue prendre du papier de toilette et je vais venir le poser sur la colle. C'est ce qui va me permettre de créer en fait ma blessure sur la joue. Ensuite, avec un pinceau ou même avec votre doigt, vous allez venir humidifier en fait le papier toilette qu'on a posé en fait sur le visage. Et là, on va travailler la blessure. Donc, je vais tout d'abord appliquer avec le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais venir prendre un fard gris et je vais venir appliquer sur toute la joue. Dans le centre de ma blessure, je vais venir appliquer de la peinture rouge. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, je vais revenir prendre du fard noir et puis je vais essayer de travailler un maximum la blessure pour que ça fait un effet plus réel. Ensuite, je vais reprendre du fard noir et là, je vais venir remplir en fait l'intérieur de la blessure. Ça va se mélanger, en fait, la couleur noire va se mélanger avec la couleur rouge. Donc, ça va faire un effet plus réaliste de la blessure. Avec mon gros pinceau, je vais venir tapoter pour que ça s'estampe et que ça fait un effet flouté en fait de la blessure qu'on voit bien, qu'on ne voit pas en fait de démarcation entre les couleurs. Ensuite, je reviens quand même travailler un peu mes zones d'ombre qui
se sont estompés. Ensuite, je vais venir appliquer du faux sang que vous pouvez trouver partout. Moi, j'ai trouvé à l'As de Trèfle et aussi à la Foire Fouille. Donc, je vais venir l'appliquer grossièrement au niveau du cou. Je vais rajouter un peu sur la bouche, sur le nez. Là, je suis revenue appliquer un peu de sang parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez. Donc voilà les filles, j'espère que ce premier tuto d'Halloween vous a plu. Moi par contre j'ai adoré faire cette vidéo, même si c'est une première pour moi. J'ai vraiment utilisé peu de choses et je trouve que le résultat il est pas mal du tout. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Thank you.